Faut te foutre pas dans la gueule, va me chercher 500 balles maintenant. Il meurt, attention. Salut tout le monde, c'est Mikalash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger un escroc sur le bon coin qui vend une casquette Lacoste de contrefaçon en faisant croire que c'est une vraie. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, on va bien le rendre fou, on va bien lui faire péter les plombs en espérant que ça lui serve de leçon et qu'il ne recommence pas à vendre ce genre de choses. Comme d'habitude, je vous le rappelle, si la vidéo vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher le like, ça me fera super plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et aussi bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour faire gonfler mon ego et surtout pour suivre les futures vidéos qui sortiront. Voilà, d'ailleurs, en parlant des futures vidéos, j'aimerais bien un petit peu tester de nouveaux trucs dans le domaine des pranks. Donc je vais mettre un sondage qui s'affichera juste ici normalement. Donc voilà, la question elle est toute simple, c'est est-ce que dans les prochaines vidéos vous préférez que je continue de piéger un petit peu des escrocs comme je fais actuellement, ou vous voulez que j'essaye de faire des pranks un petit peu plus humoristiques où je vais plutôt aller cibler des gens dans la rue, des inconnus, et leur faire des blagues. Donc voilà, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je continuerai de piéger des escrocs, mais si je vois que vous êtes chaud pour que je fasse des pranks un petit peu plus humoristiques, je n'hésiterai pas. Bref, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et moi, je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Pourquoi tu me regardes mal? Oh, tu veux quoi? Oh, tu commences à brûler ou quoi? Oh, me regarde pas comme ça, je suis pas ton collègue. J'espère que c'est toi pour l'annonce. Qu'est-ce que tu fais, gros? Enchanté. Qu'est-ce que tu fais? Comment allez-vous bien, monsieur? Je vais bien, tu es bizarre, toi. Êtes-vous enchanté de ravir ma connaissance? Frérot, arrête de parler, tu me casses la tête, frérot. Tu es venu pour la casquette, tiens, c'est celle-là. Êtes-vous enchanté de ravir ma connaissance? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, arrête de parler, je sais pas quoi. Tu t'es pris là, dis quoi? Tu t'appelles Charles, c'est quoi le truc? Qu'y a-t-il donc qui ne vous convient pas? Bref, vas-y, prends la casquette. Est-ce donc pour cette fameuse casquette que vous m'avez donc fait déplacer pour ce rendez-vous professionnel? Prends la casquette, tu me casses la tête. En plus, j'ai le soleil qui me tape dans la gueule, vas-y, dépêche-toi. Sommes-nous enchantés de nous rencontrer? Oh, tu vas la prendre la casquette! Oui, mais est-ce que sommes-nous ravis de nous rencontrer? Ouais, on est ravis, allez, prends la casquette, qu'est-ce que t'as? Bah, je l'ai prise. Ouais, bah maintenant, donne-moi les sous, c'est comme ça, c'est... Les sous? Ouais, les sous. De quels sous donc voulez-vous me... tu me parles? Oh, tu casses la tête, frérot! Oh, tu es un bon barjo, toi! Barjo, casser la tête? Je suis désolé, monsieur, mais je ne comprends pas votre langage. Donne-moi la casquette, je me casse. Donne-moi la casquette, je me casse. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé, mais je suis dans l'incompréhension totale de votre langage débile. Comment ça, débile? Non. C'est moi que tu me traites de débile, non, là non, non. Ah, c'est moi que tu traites de débile. Attends, je regarde un peu. Que regardez-vous donc, de monsieur, hein, de votre regard moche et aigri? Comment ça, moche et aigri? Non, monsieur. Parle dans le français. Sauf... Sans vous manquer de respect, monsieur, vous êtes plutôt irrespectable. Je rigole, frérot. Tu crois vraiment que je parle bizarre et tout, frère? Ça, c'est pour les meufs, frère, tu le sais. Frérot. Moi, je suis une meuf, tu me parles. Tu le sais, frère. Ah, me touche pas, s'il te plaît, me touche pas. Et qu'est-ce frérot, que t'arrives, frérot, frérot? Tu sais très bien, frérot. C'est pour rigoler, ça. C'est un délire, moi, frère. Moi, depuis tout à l'heure, je crois que tu te foutais de ma gueule. Mais non, frère, t'as vraiment cru que j'allais venir, je parlais comme ça? Frérot, ça, c'est pour le business, tu vois. Mais quoi, c'est du talk alors? C'est pour le commerce, ça, frérot. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, frère? Regardez, c'est moi. Non, vas-y. Je voulais te les faire essayer, frère, mais laisse tomber, frère. T'as pas le charisme pour ça, tu vois. Mais quoi, c'est du talk? Non, c'est des vrais trucs, frérot, tu vois. Nous, on est dans le commerce un petit peu. T'as de l'argent, du coup. On est dans les bails. Non, mais t'as de l'argent, du coup. Un max de pognon, frère. On se mouche. Ah, frérot, t'en bats les couilles. Et t'as de l'argent, du coup. Ouais, j'ai l'argent pour ouais, la. 500 balles la casquette alors. 500 euros? Ouais, 500 balles. Mais c'est une casquette Lacoste, frère. Ouais, je sais. Quand tu me la vends 500 euros? Ouais, parce qu'elle fait 500 balles. Parce qu'elle donne moi à la squale. Ouais. C'est lui qui l'a porté, frère. Ah ouais? Ouais. C'est la casquette de moi. C'est ça, vos 500 balles. C'est la casquette de moi à la squale. C'est la casquette. Si, il devait faire un partenariat avec Lacoste, c'est celle-là. Ouais. Eh ouais. Mais moi, la... Non, viens. J'ai cru que c'était marqué bienvenue à la banane, tu vois. La banane? Ouais. Frère, moi, j'aime pas trop les bananes, tu vois. Genre. Pas les couilles de ce côté, mais passe-moi 500 balles. Moi, je préfère les pommes. J'en ai rien à. Pourquoi tu me parles de banane, frère? Ah d'accord, la banane, frère. Ouais. La banane, frère. Je suis la banane, mais t'es malade. T'es oh, c'est le quartier de moi. T'es un petit coquin, toi, mon frère. Oh, t'es un coquin, frère. Qu'est-ce que coquin? Vas-y. Oh, la banane. Oh, me touche pas, je vais t'envoyer une pote. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Oh, je suis en train de m'énerver, là, tu es en train de gaver. Vas-y. Oh, prends la casquette de 500 balles, t'as les 500 boules. Je veux ma banane un peu. Je veux pas ta banane, qu'est-ce que tu veux que je. Oh, manque pas de respect comme ça. Tu veux que je sorte un peu, je mette un peu ma banane dessus, c'est comme ça, frère. C'est ça, regarde. Bienvenue à la banane, frère. Oh, je vais te. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Oh, gros! Oh, mec! Je suis énervé, là! Ça va, mec? Je suis énervé, là. Tu me prends plein le con, là. Mais pourquoi? Oh, qu'est-ce que... Oh, mec, tu fais quoi, là? Oh, ça va, mec? T'es pas tranquille? Je suis énervé, t'es en train de me prendre pour un fou, là, faut que je me calme. Mais pourquoi tu fais? Ah, tu connais pas moi à la squale? Mais là, c'est bon comme ça ou pas? Qu'est-ce que tu fais, bro? Tu l'as mis dans tes p***, je t'ai
t'avais pas vu. T'es un fou, retire sur ça. Oh. Quoi? Mais tu es pas bien dans ta tête, toi. Mais tu m'as dit bienvenue à la banane, frère. Bienvenue à la banane. Ça va, frère? Oh, gros. Oh, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais? T'es en train de me chauffer là, t'es en train de me chauffer le cerveau là. Qu'est-ce que tu nous fais? T'es en train de me chauffer le cerveau. Je crois que le cerveau, frère, il est déjà chauffé, je crois. Ouais, putain, t'es en train de me faire chauffer. T'es un pète au casque, toi, non? Je te pète au casque. T'es un peu. Allez, passe-moi les 500 balles. Passe-moi les 500 balles. Moi, je la veux plus la casquette, tu passes tes 500 balles. Je la touche tiens, pas. Tiens, frère, je sais pas. Attends, je la touche pas. Tu vois, je vais un peu la mettre sur toi. Je la touche pas, je la touche pas. Je vais un peu la mettre sur toi pour voir ce que ça va. Qu'est-ce que tu fais, frère? Je la touche pas, je me prépare. Tu pourrais venir dans un combat. Mais même, frère, calme-toi, reste tranquille. Passe-moi les 500 balles. La casquette, pourquoi elle vaut 500 euros en fait? Je comprends pas. Oh, tu connais pas Mohal Aswal? Mohal Aswal. Il est connu, Mohal Aswal. C'est quoi? C'est quoi? C'est un rappeur. C'est quoi un rappeur? Tu te de ma gueule, toi. Non, pourquoi? Tu m'appelles frérot, tu sais pas ce que c'est un rappeur. C'est quoi un rappeur? C'est qui, Mohal Aswal? Mohal Aswal, Mohal Aswal, Mohal Aswal, Mohal Aswal. Mais quoi, la squale? Oh, Mohal Aswal. Moha? Moha. Moha? Ouais, Moha. C'est pas un truc au Starbucks, ça? Qu'est-ce que tu m'as? Genre le Moha? Oh, je vais te décrocher la tête, je vais te décrocher le la tête. C'est un Moka, c'est un Moka. Ah, le Moka, ouais. Ça n'a rien à voir, me touche pas, me touche pas, me touche pas. C'est bon, reste tranquille. J'ai pété un câble. Pourquoi? Un câble! Mais pourquoi? Passe-moi les 500 balles, là! Mais t'es sûr que c'est. Parce que le crocodile, il est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? On dirait un crocodile, c'est tout. Parce que. On dirait un peu un lézard, non? Un lézard, c'est pas toi le lézard, là? On dirait pas un lézard, en train de me fatiguer, tu sais ce que t'es en train de faire? De me fatiguer. Mais je te fatigue pas du tout. T'es en train de me fatiguer, je suis fatigué, là, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Ouais, je te dis la vérité, on dirait un peu un lézard, en fait. Et moi, j'ai vu Lacoste, tu vois. Sauf que moi, j'ai entendu une rumeur, en fait, j'ai entendu un truc, tu vois. Oh. À ce qui paraît, en fait, c'est comment? René Lacoste? René Lacoste, c'est René la top, là, quand même. Oh, je vais te décrocher. Oh, je vais te décrocher, je vais t'attacher. Je vais te pendre. Tu vas me passer les 500 balles. Mais j'ai pas le. Je vois que t'as de l'argent, regarde, t'as de l'or sur toi. Et me touche pas, là, tu l'as mis dans ton club et après tu. Oh. J'ai pas les 500 euros. Comment ça t'as pas les 500 euros? J'ai que 50. Moi, je te dis. J'ai pas compris en fait pourquoi elle était à 500 euros. Genre, j'ai vu, t'as mis sur l'annonce Le Bon Coin, casquette, Lacoste, portée par Mohal Aswal, je sais pas quoi. Ouais. Mais moi, 500 euros, genre, j'ai pas capté le délire, frère. Pour moi, elle vaut 50 balles celle-là, tu vois. Pas 50 balles, t'es fou. Du coup, moi, je suis venu avec 50 euros, j'ai cru que t'avais fait une erreur de frappe. Frère, elle t'habille tout entier là, la casquette, de quoi tu me parles? Du coup, on fait quoi, frère? On fait comment alors? On s'en regarde. Oh, mais le toupet que t'as, toi, tu me parles en te frottant ma casquette sur ton nez. Et non, frère, c'est parce que. Je vais frotter mon poing sur ton nez, je vais t'essuyer le nez. On fait comment, frère? Comment ça on fait comment? Tu me passes les 500 balles. Et pourquoi? Je les ai pas. Les 500 balles. Tu me passes les 500 balles. C'est quoi cette trace là? C'est toi qui as mis ton nez. Ah ouais, merde, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Tu prends pour un con quoi? Du coup, bon, vas-y. Je vais. Là, la casquette, tu l'as déjà portée? Ouais. Tu l'as déjà portée la casquette? Ouais, elle faisait chaud. Elle faisait chaud? Ouais. Attends, je vais un petit peu la renifler pour voir. Ah! 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 Ah frère, ça pue la mort, frère. C'est quoi cette odeur? C'est pas vrai, je t'ai pris pour un con, je l'ai pas porté. C'est quoi cette odeur, frérot? Cette odeur, elle sort du magasin, espèce de fou. Ah gros, c'est quoi cette odeur? Ah frère, je crois que t'as le cuir chevelu, frérot. Il est cancérigène, je crois. Je l'ai pas porté, je t'ai dit. Bah écoute-moi bien, maintenant tu vas me passer les sous, sinon je te mets dans le coffre. Dans le coffre? Ouais, dans le coffre, je te mets dans le coffre et je t'emmène. Et après, je t'accroche au pare-choc et je te fais traîner dans toute la ville. Mais je rentre pas dans le coffre, moi je suis grand un peu, tu vois. Je m'en bats les couilles, je te fais rentrer et je te coupe en deux s'il faut. Une fois, je suis déjà rentré dans le coffre. Je m'en bats les couilles, je te coupe en deux et je te mets dans le coffre. Mais j'étais serré après, j'avais mal au bras, tu vois. J'en ai rien à foutre, passe-moi, va me chercher les sous. J'ai pas les sous. Va me chercher les sous. Comment ça, t'as pas les sous? J'ai pas. Va me chercher les 500 balles. Mais j'ai pas. Dépêche-toi, va me chercher les 500 balles. J'ai vraiment m'énerver, je vais vraiment te mettre dans le coffre. C'est pas une blague, mec. Mais comment ça dans le coffre? Je rentre pas dans le coffre. Je m'en bats les couilles, va me chercher les 500 balles. Va me chercher les 500 balles. Mais il commence, c'est quoi, t'as quoi comme voiture? Si t'as une Smart, c'est mort direct. J'ai une fourgonnette, va me chercher. Ah la fourgonnette, ouais, là ça rentre. Me touche pas. Va me chercher les 500 balles. Mais où? Où? Va aller chercher, va déjà chercher les mais 500 balles. Mais où? Oh, hausse pas le temps avec moi. Où tu veux? Ne hausse même pas le temps avec moi parce que ça va mal finir. Tranquille, frère. Je vais m'énerver et je vais te décrocher la tête. Calme-toi. Ok? Ouais, c'est bon, tranquille. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant tu vas me chercher les 500 balles. Attends, frère, calme-toi. Je viens pas me calmer tant que j'ai pas mes 500 balles. Attends, frère, tu trembles et tout, frère, qu'est-ce qui t'arrive? M'en bats les couilles, tu vas voir cette veine. Cette veine, ça veut dire c'est la colère. Maintenant, tu vas me chercher les 500 balles. Frère, t'as de la bave un peu sur la tête, là. Touche pas. Me touche pas. Descends, va là-bas. Calme-toi, frérot. Oh, ça va. Tu veux un massage? T'as l'air tendu, frère. Je veux pas de massage, là. Tu veux que je te masse un peu? Va chercher les 500 balles. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de me rendre fou tout à l'heure. Mais calme-toi, frère. Va. Mais j'ai pas les 500 euros. Vas-y, partir en couille. Mais pourquoi? Vas-y, partir en couille, je vais te planter comme ça.
Dépêche-toi. Dépêche-toi, je rigole même pas là. Dépêche-toi, je suis énervé. Dépêche-toi. Ça va, frère? Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dépêche-toi, t'es en train de me faire serrer. Attends, je t'explique. Je vais t'expliquer. J'ai les dents serrées, toi. J'ai les dents serrées, je vais m'énerver. Ça veut dire que j'ai colère. Va là-bas. Calme-toi, frère. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit massage? Y'a pas de massage! La casquette, je veux bien te la prendre. Je vais aller te chercher les sous, je vais te passer tes 500 euros à la voiture. Y'a pas de souci, d'accord? Juste avant, j'aimerais bien tester un truc. J'aimerais bien tester quelques caractéristiques de la casquette. Parce que c'est quand même 500 euros, c'est quand même une grosse somme. Ouais, alors? Et du coup, je vais être sûr qu'elle me correspond. Et bah, dépêche-toi! Et je vais pouvoir la tester. Dépêche-toi! Arrête de parler! Quelques-unes de ses caractéristiques, ça te dérange? Putain, ou pas? Putain, c'est pas sorcier le mec, tu parles! Un langage que je comprends pas, dépêche-toi! Je peux la tester? Teste-la! Bon, du coup, je vais regarder ça. Ça va, Jamy? Allez, teste-la, ta casquette de merde! Qu'est-ce que tu fais? C'est ma casquette! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais t'étrangler! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, frère! T'étrangler, tu fais quoi, ma casquette? Enlevez-la! Oh là, qu'est-ce que tu fais? Me touche pas! Tu fais quoi? Regarde-moi ça! Mais regarde-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es zéro là! Quoi? Oh, tu l'as sali! Maintenant, tiens, prends-la, va chercher les 500 balles! Va chercher les 500 balles! J'ai pas les 500 euros! Comment ça, t'as pas les 500 euros? Dépêche-toi! Frère, je te dis la vérité, ta casquette, elle résiste pas bien. Genre, va les chercher. Frérot, je te dis la vérité, ta casquette, elle fait pas un bon ballon de foot. Moi, je voulais la prendre pour faire un petit peu des parties de foot et tout, tu vois. Et le truc, c'est ta casquette, elle... T'es mal, on peut même pas faire de jongle avec ça. Je vais t'étrangler. On peut même pas... Dépêche-toi. Mais frère, on peut même pas faire de jongle avec dépêche-toi. Ça. Dépêche-toi. C'est quoi cette casquette, frérot? Dépêche-toi. Non, tu vas me chercher les sous, dépêche-toi. Je garde la casquette, tu vas. Tu vas, dépêche-toi. Frère. Dépêche-toi. Y'a pas de frère, dépêche-toi. Oh, je suis en train de me faire serrer là. J'ai pas envie de perdre ma voix. J'ai pas envie de l'acheter. Je m'en bats. Mais tu vas l'acheter maintenant. Regarde ce que t'as fait. Mais tu vas l'acheter. T'as vu comment elle Je m'en bats les couilles, va l'acheter. Comment elle jongle? Dépêche-toi. T'as vu comment elle jongle ou pas? Je m'en bats les couilles, c'est pas un ballon de foot. Mais non, mais je voulais faire un petit peu. C'est marqué Ligue des Champions, c'est marqué Vélodrome, je sais pas quoi, dépêche-toi. Je vais y aller, dépêche-toi. Frère. Calme-toi. Dépêche-toi. J'y vais, d'accord. Je vais chercher les sous. Je ramène dépêche-toi, arrête de parler. Je ramène mon crocodile et j'arrive. Dépêche-toi. C'est bon, frère? Dépêche-toi. Je vais chercher les sous. Je m'en bats les couilles, dépêche-toi. C'est bon, j'y vais, frère. J'y vais. Hector, Hector, doucement, fais doucement. Attention, Hector, on se calme. Tu fous pas ma gueule, va me chercher 500 balles maintenant. Il mord, attention, recule, c'est Hector. Ne te fais pas de mal, Hector. Va me chercher 500 balles. Hector est très gentil. Arrête de me prendre pas un con, toi, va me chercher 500 balles. Recule. Y'a pas de recul. Ah, je vais vous mettre tous les deux dans le coffre si ça continue. Passe-moi 500 balles, dépêche-toi. Déjà, on est poli. On dit bonjour à Hector. Rien à foutre, arrête de me prendre pour un con. Faut dire bonjour à Hector. Va me chercher les 500 balles. Écoute, on va faire quelque chose. Écoute-nous. Dépêche-toi. On va faire quelque chose. Déjà, on te présente Hector. J'en ai rien à foutre. Hector. Arrête de me prendre pour un con maintenant. Va me chercher les 500 balles. Regarde, c'est Hector Salamanca, regarde. J'en ai rien à foutre. Hector Salamanca. Oh, mais tous les deux, je vais vous mettre dans le coffre. Y'a quoi que vous comprenez pas là? Vous me prenez.